Rémi, 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 voilà. Rémi, oui, bien sûr. Voilà. Rémi. Alors, bien bonjour Rémi, comment ça va? Ça va très bien, vous-même? Oui, très bien, on est là pour te recevoir, vous recevoir, les équipes. Mais par conséquent, quelles sont les difficultés que vous avez rencontrées aujourd'hui? Les difficultés qu'on a rencontrées, c'est qu'il n'y avait pas beaucoup de vent. On a essayé de mettre la plus grosse balle qu'on avait, mais on n'avait pas forcément assez de mètres carrés. On a essayé de gérer sur l'eau. Du coup, il fallait mettre moins de poids, plus de poids, donc il fallait gérer avec la yole. Ça a été compliqué, mais on a su gérer et entrer sur la quatrième place. Quatrième place? Oui, la quatrième place. C'est bon, c'est super, c'est bon. Quand même, oui. Ouais. Donc, et comment tu dis qu'il y a trop de poids, qu'est-ce que tu C'est ça, quand il y a trop de poids sur la yole, on essaie de mettre celui qui pèse le plus lourd, on le fait tomber à l'eau et on allège la yole avec un gars plus léger. Ouais, ok, super. Eh bien, donc vous avez fait ça à combien de poids? Beaucoup de poids, parce que autrement il est pas le seul. On a dû faire ça deux fois. Ouais. Mais comme moi justement j'étais sous la gueule et on m'a fait descendre parce que je pèse quand même assez. Okay, ouais. Du coup ben, on m'a fait tomber à l'eau et on a allégé un gars plus mince. Ouais. Et du coup on a continué sur la même lancée avec le même équipage. Ils ont fait tout le monde tomber à l'eau parce qu'on va pas arriver sur, tout seul sous la gueule. Voilà, mais bon, ouais. On a su arriver quand même quatrième et ça m'a fait plaisir. Franchement, je suis désolé. Ben, le travail a été de... Alors donc, concernant deux minutes. L'étape, c'est la montre, hein. Ouais, comme donc, comment vous avez prévu ça? Et à mon avis, demain, si tu veux, je pense qu'on va mettre la même vol. On va garder le même mètre carré et essayer d'assurer parce que le parcours sera long. Il faut être physique et il faut avoir du mental. Techniquement, il faudrait faire beaucoup de changements sur l'eau, il faudrait assurer. Je pense qu'on va essayer de garder notre place pour éviter d'avoir entre 2 km à gérer après. Donc vous allez essayer de vous appuyer un peu pour essayer d'attaquer les gros mordants. C'est ça, pour attaquer les gros mordants, mais nous avons peut-être pas assez de mètres carrés ou peut-être pas assez de gars pour gérer les mètres carrés pour vous la mettre. On va essayer d'assurer notre place et de continuer sur cette lancée-là. Il faudra bien contrôler les voilà, parce que quand même, c'est équilibré quand même. Ça demande une réflexion. Oui. Si on n'est pas assez équilibré sur la yole, techniquement ça va nous faire peut-être nous pénaliser sur certaines choses. Il faut dresser à temps pour regarder le vent, annoncer. Il faut faire très attention sur la yole. Pour savoir dresser. Et depuis le départ, quelle étape a été plus facile pour vous? L'étape qui a été la plus facile pour nous, sans mentir, c'est cette étape-là aujourd'hui. Parce ah bon? Que l'étape d'hier, c'était vraiment compliqué. Il n'y a pas de vent du tout, on avait une petite vol. Il fallait beaucoup bassiner. C'était super chaud. Mais bon, mais on a quand même essayé d'entrer. Nous sommes en 9e, c'était pas forcément plaisant pour nous les jeunes. Parce que nous ne sommes pas tous montés sur la gueule. Ça a peut-être fait chier à certains gars de la gueule, je comprends, pour moi-même aussi. Mais on est quand même entré, genre pour les autres gars, ça nous a fait plaisir. Et vous êtes à combien de jeunes sur cette heure? Sur cette heure, je vais pas mentir que nous sommes quand même assez nombreux. Mais c'est pas tout le monde, c'est pas tous les jeunes qui montent sur la gueule. Parce qu'il y a un noyau d'anciens, un groupe d'amis qui restent sur la gueule, qui ne veulent pas faire tourner. Et... Franchement, ça nous embête un peu. Bon, ben, de toute façon, il faut prendre la vie comme elle vient, patienter, et puis un beau jour, la lumière sera présente. C'est Rémi. Et nous, on va faire du bon travail avec ce bon travail. Ça ira mieux. Je l'espère aussi, je vous remercie à vous. Eh bien, c'est Andy FM, Marguerite.